Affûtez vos quarts, la saison de ski est officiellement lancée dans les Pyrénées. Une douzaine de stations et d'espaces nordiques ouvrent leurs pistes ce week-end. L'occasion de faire un point sur la météo qui semble de bon augure pour les spatules. Pour l'instant, c'est bien parti parce qu'on est en train de, on a une masse d'air qui est relativement froide depuis déjà plus d'une semaine et on est en train de constituer une bonne sous-couche qui, a priori, devrait rester toute la saison. En résumé, il y a eu deux chutes de neige déjà cette semaine jusqu'à basse altitude. Il est tombé entre 20 et 30 cm la nuit dernière et il était déjà tombé une vingtaine de centimètres en début de semaine. Donc on a une montagne qui est blanche à partir de 800 000 mètres d'altitude. Et pour cette fin de semaine, en revanche, pas de quoi s'affoler. En montagne, il va continuer à faire froid ou frais, mais sous un temps globalement assez voilé ou nuageux, mais assez agréable, sans précipitation notable. Les prochaines neiges à basse altitude sont prévues lundi, avant un petit radoucissement. Mais pour l'instant, à part quelques flocons épars, la neige n'est pas attendue en plaine toulousaine.